Bon, let's go. Je suis stressée. Mais non, elle s'est détente sur la chaîne. C'est très chill. Cocooning. C'est la maison. Ok. Donc là, on va dire genre en mode salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On fait salut tout le monde à deux. Ensuite, je fais j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop content. Mais pourquoi tu fais le brief? Bah, occasion. C'est le brief de la marque. Tu me payes? Je te paye 10 euros. Un McDo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un duo un peu improbable. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec la belle Louane Poi. Maintenant c'est Poi. Oui, maintenant Louane c'est Poi. Je vais dire Louane tout court. Bon bah salut. Yeah. Tout le monde. Salut. Je suis très contente d'être là. Je suis très contente. Très hâte. Ouais, ça va être cool. Elle a accepté l'invitation avec plaisir. Ouais. On se retrouve pourquoi Louane? Je vais maquiller une badise d'instant, on peut le dire. La badise d'Insta avec ses photos. J'avais envie de tester, tu vois, de mettre un peu de main à la pâte. Parce que le maquillage, c'est hyper connu, mais moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment fait. J'ai une sœur, je sais qu'elle se maquille et tout. Je sais qu'il y a du fond de teint, je sais qu'il y a de l'eyeliner, mais le reste, je sais pas. Il y a une technique. Du coup, je me suis dit dans cette vidéo, Louane va m'apprendre à la maquiller. Et entre nous. Mais c'est affreux. Je pense que ça va être n'importe quoi. Étape numéro 1, le démaquillage. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime, je sais pas comment. Faut que je me rappelle si c'est un rêve, t'es super belle. Bon, la Louane est en train de prendre tout son make-up, je suis choquée. C'est Sephora dans le salon. Je te souhaite bonne chance. Louane m'a posé sa cargaison sur le sol. Bah écoute, on commence par quoi? Parce que moi, faut vraiment tout m'apprendre. Bah déjà, je pense qu'on va commencer par une base, non? C'est ça? Tu l'as dit. Le teint, ça doit être. C'est pas une brume? Oui, il y a marqué. Bah oui, un maquillage parfait tout au long de la journée, ça doit être ça, non? Non? C'est pas ça. C'est ça? Non, ça c'est le fond de teint. Tu vois bien que c'est le fond de teint. Base. J'ai l'impression d'être ridicule, je connais rien. Face primer. C'est ça? Ouais. C'est la base. C'est okay. Une des bases. Bon bah du coup on va commencer par la base. Comment tu l'appliques ta base? C'est genre en mode c'est comme une crème, la crème Nivea. La crème Nivea, ok. Banana, bah dis donc tu te fais plaisir. Sur les odeurs. J'en mets combien, tu me dis stop? Bah au pire t'en remettras, voilà, c'est okay. C'est dingue. Donc là ça colore déjà un peu ta peau? Non, pas du tout. Ah ouais? C'est pour fixer le maquillage, mais pour matifier la peau. Mais c'est un peu coloré mais ça se fond. Qu'est-ce que tu me fais? C'est comme ça non? Tu m'en mets pas là et tout. J'attends deux secondes. Ça te dérange pas que je te touche comme ça? Non, non, ça détend. Le petit massage, on est dans un spa. Ouais, vraiment, séance de méditation. Je pense que là c'est bien étalé. J'ai d'être ça, non? Non, non, c'est bien étalé. Ouais, ça pue un peu. Eh, ça sent vraiment la banane. Ouais, ça sent vraiment la banane. Mais parce que c'est une primer en vitamine C. Et t'as pas envie de te bouffer la peau après? Non. Ok, maintenant, après la base. Après la base, qu'est-ce qu'on fait? C'est basique normalement. Tu vas mettre du fond de teint? Ouais. Le fond de teint est juste ici. Ouais. Et comment on applique le fond de teint? Tu mélanges déjà. Voilà, comme ça, oh, c'est bon. J'en ai check. Fais attention. Oula, comment ça? En gros, ce que tu vas faire, tu prends comme ça et tu mets sur ta paume de main. Et après, tu prends le Beauty Blender, tu fais comme ça et tu mets comme ça. Hein? Paume de main. Non, c'est pas la paume, ça, c'est le dessus. Non, là, il y a pas. C'est quoi la paume de main? Bah, la paume, c'est ça, mais oui, ah, merde, on n'a pas mis assez, mais oui. On commence déjà par une petite. Okay. Et vous faites ça tous les jours? Bah, ouais. Il n'y en a pas du tout assez. Parce qu'il est hyper fluide ce fond de teint là, il est pas du tout compact. J'ai l'impression que t'es une feuille blanche, genre je suis en train de te pousser. Tu me peins? Oui, je te peins. Mais y'a rien qui sort de ton truc. Ah, là y'en a. Faut pimper. Faut pimper. On a inventé un nouveau mot. Faut mettre un peu partout, je crois. Ouais, pour que le teint soit unifié, nous. Ah, je t'en ai mis un peu trop sur une. J'ai peur que ça va être une cata. Mais on verra, écoute. On verra. Non, non, non. Quoi? Il faut tamponner, surtout pas étaler. Okay. Vraiment. T'en mets sur les yeux aussi? Non. Eh, franchement. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Je pensais que ça allait être plus dur. Attends, là, regarde la démarcation. T'avais tes cheveux. Ah, j'avoue, il y a une grosse démarcation. Eh oui. Là, franchement, je pense qu'on est pas mal. Ah, c'est pas le truc du siècle. J'ai fait carnage. Enzo. Quoi? Mais regarde sous mes yeux. T'as pas fait sous les yeux. Ah merde. Petite retouche. Non, mais là, là. Tu vois bien qu'il y a une marque là. Oui. Ok, maintenant, bah à toi de me dire, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas. Faut que tu mettes, genre, je sais pas, un truc qui fasse un teint, genre un peu de joyeux, un peu. Un truc peu... sous les yeux? Non, moi je fais pas sous les yeux. T'as un truc pour se bronzer ou... Un bronzer? Ouais, c'est un bronzer. Il y a du blush aussi. Du blush, pour, ouais. Pour colorer. C'est directement maintenant? Bah, moi je fais comme ça. On va utiliser le blush, ça doit être simple. C'est grave. C'est simple. Donc il y a un des deux. Et ça, on l'applique avec quoi? Alors normalement c'est un pinceau, mais moi je l'ai pas pris, du coup je fais avec le blender, derrière okay. De mon Beauty Blender. Okay. Et du coup c'est sur la joue? Ouais. Je pensais que c'était... Sur le haut de la joue, hein. Ah, faut pas que tu descendes. Comme ça? Ouais. Je pensais que c'était beaucoup plus pigmenté. Bah faut que tu... Ah, faut que je... Ouais. On dirait que je t'ai mis une baffe. Je pense qu'on est bon là, non? Ouais, c'est pas mal. C'est très naturel, hein. Pour l'instant, en vrai, je me débrouille pas mal entre nous. Pour le
bronzer, tu vas me prendre mon pinceau poudre, c'est pas grave. C'est quoi pinceau poudre, c'est ça? Voilà. Faut bien appuyer. Bah ouais quoi. Non mais c'est bon là. Et faut souffler non? Vas-y souffle. Et maintenant je le mets où? Bah creux, faut pas que t'ailles trop bas. T'es allé trop bas. Non, juste c'est beaucoup quoi. Là. Attends, j'estompe. Mais il y en a encore plus. J'aurai le teint très structuré, c'est pas grave. Elle me regarde depuis 30 minutes comme ça. Mais parce qu'il faut faire ça. Mais oui, je sais. Mais putain. Ça va pas? C'est ma première fois. C'est ta première fois, c'est pas grave. Ok, prends la poudre libre. La poudre libre, c'est ça? Ouais, voilà. Okay. Fais attention quand tu l'ouvres, hein, parce qu'il y en a énormément. Ok. Oula, la fumée. Déjà, ça fait de la fumée, fais attention. Okay. Et ça, ça sert à quoi du coup? Ça, c'est pour fixer le maquillage. Je trempe le pinceau. Mais ça tâche ton truc. C'est bon. Là, souffle. Non, tu souffles pas, tu fais comme ça. Ok. Je cendre. Vas-y, souffle. Il y a trop d'excédent là. Oh. Le sable. On est dans le désert. Ok, là, je t'en mets partout. Bah ouais, tu dois fixer le dingue. Quoi? Il y en a partout. Oula. Je t'ai enfariné. Tu te mets vraiment ça sur la gueule tous les matins? Bah je le fais pas comme ça moi. Tu mets comment, tu tempes? Bah oui je tempe. Ah, mais je pense que t'avais pas assez soufflé l'excédent. Ah merde. Ça va hein? Ouais. Je sais pas comment ça rend en caméra. Bon, je fais pas ça tous les jours. Non c'est cute. Mais ça va. Qu'est-ce qu'on vient utiliser par la suite? Sourcils. Sourcils. Ok, sourcils, qu'est-ce que tu fais? Bah je dessine mes sourcils. Tu dessines tes sourcils? Je fais vraiment une crotte en dessin. Mais quand je te dis la crotte, c'est... Vas-y, tu fais avec ça. C'est un petit stylo. Et toi tu dois genre accentuer mes sourcils. Tu dois juste suivre la ligne. Tu fais les contours, on y va au talent. J'ai l'impression qu'on voit la différence. Et Enzo, là, il n'y a pas de fin de mon sourcil. Ah oui, faut faire la virgule. Oui, c'est comme un stylo de coloris. Il n'y a pas de gomme. Oh là 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 là. Bon. Ah ouais. Ça va là. C'est possible. Abuse. C'est hyper satisfaisant, j'ai l'impression que je fais du coloriage. C'est sympa, ça va, t'abuses. J'ai un date super. Qu'est-ce qu'on en pense de ces sourcils? Ça va, je trouve. C'est bon, c'est ma première fois. Mais c'est affreux. Mais c'est affreux. Il y en a un difforme, pas un difforme. C'est une catastrophe. Bon, ok, bref. Vous avez rien vu. Tu prends fixateur. T'as juste à fixer les sourcils, c'est un truc invisible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on va passer au plus dur. Bah là, c'était pas déjà le plus dur. Les yeux. Avec ta petite palette, avec carrément. Avec ma palette. Oh, c'est beau. Elle est hyper belle. Alors, je t'en supplie, par contre, ne nique pas ma palette. Waouh. J'ai besoin d'être enjoy. Tu veux quoi comme couleur? Bah, comme tu je choisis. C'est toi l'artiste. Hein. Madame Mona Lisa, qu'est-ce qu'on va prendre? Bah, t'as un petit pull marron, pourquoi pas un maquillage accordé? Ok, vas-y. Un marron, attends. Lui m'a l'air pas mal. En base. En base, c'est quoi? En paupière mobile. Paupière mobile, c'est une voiture. Qu'est-ce que tu me parles? Change le dessin. En vrai, ça va. Ok. Bah, c'est pas mal. Tu fais un à la moitié. Rond. Comment ça, tu la fais moitié un petit rond comme ça. Après, c'est dur de maquiller les gens. Ah, vraiment? Attends, je te montre. Franchement, en vrai, tu fais. Faut que tu fasses comme ça. Ok. Ok. Attends, est-ce que c'est droit? Quoi? Là. Mais oui, là ça a coulé. J'arrive pas trop pas à voir là avec la caméra. Non, ouais. En vrai, il y a un truc. Il y a un truc de ouf. Ok, maintenant, on a fini ça. Eyeliner. Je vais te mettre lui parce que c'est le plus simple. Eyeliner, je sens que je vais totalement foirer là. Je tiens à être sincère avec toi, on se dit les choses. Je sens que je vais faire de la grosse merde. Eyeliner, c'est dur. Mais surtout que moi j'ai des mains, je sais pas pourquoi, mais naturellement elles tremblent. C'est hyper dur. Un eyeliner un peu zigzag. Il faut vraiment s'habituer. Là, je suis très stressée. Là, déjà, j'ai même pas besoin de voir, j'ai senti. J'ai senti. T'as niqué tout le make-up. Tu fais juste la fin. Tu fais pas le pas début grave. Parce que le début il est trop compliqué. Tu fais fin milieu mais tu fais pas le début. Guys, non mais guys, regardez ce carnage. Après je comprends ma vie. Hein. C'est dur. C'est dur. Franchement c'est dur. Mais tu m'as fait toute la paupière noire. Donc en fait tout le make-up qu'on a fait avant ça ne sert à rien. On vient de tout gâcher. Mais c'est dur, je comprends rien. J'avoue. C'est déjà un peu mieux. Si on voit pas assez la virgule. Fais-la un peu plus long. Bon, pas trop long non plus, pas égyptienne. On n'est pas Cléopâtre. Là, ça part un peu. Bon, ok. Ça va, non, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Celui-là est pas mal, mais l'autre, c'est vraiment un carnage. Après tout ce carnage. Après tout ce carnage. On va se rattraper en beauté, moi je te dis. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Moi, j'en dis qu'on tente le rouge à lèvres classique. Rouge. Rouge pétasse. Il y a une ligne. Il y a le M et. Commence par le haut ou le bas? Le haut. Ça va, t'as l'air de bien t'en sortir. Et là maintenant? Non, fais en bas.
Bon, j'ai un peu débordé, normal, mais en vrai ça va. Bon, ça va, rouge à lèvres, franchement, il y a pire. Il y a pire. Un peu dépassé, mais ok. Il y a pire de ouf. Voilà, et maintenant, dernier produit. On arrive bientôt à la fin, vous allez pouvoir voir le résultat avec des détails de mon œuvre d'art. Mais tu sais, de make-up, ce que je t'ai fait, on dirait les petites filles qui utilisent le maquillage de leur mère. Et qui rate. Qui rate. À rentrée de 6ème. Donc maintenant, tu prends un fixateur. Donc là c'est la un brume. Des deux. La brume transparente a l'air sympa. Mais ça va, tu préfères la Morphe? Moi je préfère la Morphe, mais c'est quoi déjà comme marque ça? Putain, je sais plus, c'est hyper connu. Il y a pas marqué quelle marque c'est. Là je t'ai pas celle-là. Non, arrêtez les gars. Là c'est la fin, t'es fière de ton travail. Voilà, là c'est comme ça. Voilà. Ça va, bon bah écoutez, c'est terminé. Non, les franchement, gars, pour une première fois. Pour une première fois, ça va, mais elle est gentille parce que franchement, ce que j'ai fait, c'est vraiment un carnage. Je suis tellement désolée. Je pense qu'il y aurait plein de gens qui auraient fait ça. C'est ça, mais le truc qui m'a tout gâché, c'est l'eyeliner. L'eyeliner, ouais, je sais pas comment vous faites, c'est trop dur. Louane, t'en penses quoi de ton petit maquillage au final? Ça va. Ça va. Ça va. Mais sans plus. Je vais vite me démaquiller quoi. Non, ma vie. Attends, je te mets une note. Tu mets une note, une note sur 20. Et donc je vais lui attribuer la note de 1. Ah là j'ai très peur, je vais me faire taper sur les doigts. Je te mets 12. Ça va en vrai. Je te mets 12 parce que le teint ça va. C'est juste l'eyeliner. C'est vraiment ouais, l'eyeliner qui a un peu tout gâché. Je te mets 12, ça va, c'est pas mal 12. Ça va. En vrai ça va, c'est bien. C'est grave cool 12. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner à nos chaînes, la chaîne de Louane et sa vidéo parce qu'on a fait aussi une vidéo sur sa chaîne. N'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, surtout Instagram, TikTok, Snapchat, etc. On vous les affiche juste ici. Allez hop, tac, tac, on s'abonne, allez hop, hop, hop. Sur ce, on vous fait d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et bye. Bon, au point où on en est, moi je te propose de terminer en beauté la vidéo. Une vampire. Waouh. Comme ça, t'es magnifique. Je suis magnifique. Hein. Un vrai clown. Un vrai clown, pour le coup. À défaut de l'être toute l'année.